Et bonjour à tous, c'est Eriwan, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre Jetpack. Alors bon, bah, comme vous le voyez, hein, la dernière fois, on avait fait tout ce qui est la détection du sneak et le fait de nous envoler avec les particules et tout ça. Alors là, on va s'attaquer au craft des items, donc en l'occurrence du Jetpack. Donc je vais penser de le faire à partir d'une Elytra. Une Elytra. Plus de 3 de blocs de redstone. Et voilà. Et dans un épisode, on fera aussi que ça consomme du carburant. Par exemple, de la redstone. Donc, on va le faire à part. On va le faire juste à côté. Alors, on va commencer par détecter en fait l'élytra quand elle est sur le sol. On peut la détecter soit en faisant un test fort, soit en faisant un scoreboard. Player 7. Alors oui, juste oui, avant il va, enfin je vais pas le casser, mais il faut créer le scoreboard. On va l'appeler item et on va le mettre en demi. C'est-à-dire qu'il peut... Ah oui, j'avais déjà créé. Alors donc le principe là, c'est qu'il va falloir mettre le score de item à 1 à tous les items qui, donc on le met tout à la fin, qui sont des élytras. Déjà. Ok. Donc là, on avait dit quoi? Item. Et on le met à 1. Ok. Et là, je retrouve la syntaxe, on se retrouve tout de suite. Ok, donc, alors j'ai ma commande. Donc, on a bah, les data hein, à la suite du scoreboard. Donc, la data, ça va être l'idée de Minecraft Elytra. Et ground true, ça voudrait dire que faut que l'item soit sur le sol. Ce qui est plus logique. Ensuite, on va copier. Et on va mettre à la place. Redstone bloc et on va rajouter en plus count 3 et ne pas oublier le B. Ça va permettre en fait, si on veut qu'il y en ait 3, eh ben, il faut bien mettre ça. Et il faut juste changer le score, on va le mettre à 2. Voilà. Ensuite, exécute à tous les items. Qui ont même pas besoin de mettre les items en fait parce que dans tous les cas c'est un item dans tout le score item minimum à 1 et score item au maximum à 1 et là on va faire un double exécute pour qu'en fait s'il y en a un à côté de lui en l'occurrence donc donc là, c'est l'élytra hein, au score à 1. A, arrobas E. Bon, le score. Item. Et au minimum à 2. Et on va rajouter aussi au maximum à 2 parce que pour vous allez voir après. Item à 2. Voilà. Et. Donc là déjà je vais juste copier ce command block. Là on va faire tous les trucs qui vont s'exécuter quand on fait le craft. Donc play sound. Comment il s'appelle? Minecraft.block.anvil.use, je crois que c'est ça. Ensuite c'est quoi? C'est voice. A. Voilà. Oui. Normalement c'est bon. On vérifiera après. Ensuite on met particle. C'est quoi les particules déjà? Smoke. Coordonnées relatives 0, 0, 0. 1 pour la vitesse pour que ça bouge. Et on va en mettre 50.
Ok. Ensuite, là, on va faire le summon, donc je vous retrouve pour la commande. Ok, donc, j'ai ma commande, qui est un summon, donc un item, qui est donc un plastron en cuir, qui s'appelle Jetpack. Et bon, voilà, voilà vers l'infini et l'au-delà. Et je lui ai mis une couleur, donc là c'est pas très clair, mais en gros c'est du rouge. Donc il nous manque juste à tuer tout le monde à la fin. Pour ça, on va faire kill, arrobas e, score, item, min est égal à 1, score, item est égal à 2. Et on rajoute juste c égale 2 pour que ça tue les deux items les plus proches qui sont entre 1 et 2. Donc en fait, voilà. Et ben c'est tout. Donc là maintenant, si je drop l'élytra. Ah, il n'y a juste pas eu les particules. Quel est le problème? Oui, bon, évidemment, faut mettre un slash, d'accord. J'ai mis un S à particule. Ok. Donc, si je réessaie. Voilà. Parfait. Donc, j'en ai deux, mais on s'en fiche. Il nous reste juste une dernière chose, c'est détecter si le joueur ou pas ce jetpack sur lui. Donc pour ça on va utiliser le non on va faire autrement. Donc on va le mettre avant et on va comment on va faire Oui, on va utiliser le score item pour économiser de la place. Et en fait, si le joueur a le plastron, le score item sera 1. Et s'il ne l'a pas, il sera 0. Et après, du coup, il faudra... je suis en train de réfléchir en même temps. Ok, donc on va mettre le score dans item. Alors... On va prendre un peu plus de place. On va aller là au cas où. Alors, scoreboard. Player 7. Tous, hein. On avait dit quoi donc item du coup? Si, ouais, c'était bon. On va mettre à 3, comme ça va pas interférer avec le reste. Et encore une fois, je vous retrouve pour la commande. Et donc, voilà. Donc dans le slot du plastron. Laser chestplate, jetpack, et là donc c'est le numéro de sa couleur. Voilà. Donc là on peut voir que je suis à 0 et si je le mets, je suis à 3. Voilà, oui c'est mon texture pack qui est bugué. Alors il manque quelque chose avant. On va le mettre là en fait. Voilà. On va donc ça c'est bon. Je m'occuperai de mettre les chaînes après. Là, on peut supprimer. Et on va juste le mettre à le score item. À 0. Voilà. Donc, si le plastron, ça le remettra à 1. Et... Ah mince. Et donc, je vais tout redécaler encore. Voilà. Donc on peut mettre. Et là, scoreboard, player 7. Donc en fait on inverse là, c'est-à-dire que si le score du joueur est à. Donc de item est à 0.
Donc s'il n'a pas le plastron, et ben à ce moment-là, ça veut dire. Donc on va utiliser Sneak. Hein. Sneak, ça veut dire qu'il pourra, il pourra pas utiliser le jetpack. Sneak 0. Voilà. Donc là, si je fais Sneak, on peut voir qu'il ne se passe rien. Et si je mets. Voilà. Si je mets le jetpack, je peux m'envoler. Du coup, on récapitule tout. J'ai mes trois blocs. J'ai mon élytra. Je pose les trois blocs. Je pose l'élytra. J'ai l'item. Je l'équipe. Je peux voler. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on va attaquer tout ce qui est carburant. Normalement. Sauf si je trouve quelque chose de plus intéressant, mais normalement, ça sera ça.